goes like. Qui a été assez chaud pendant tout le match et qui m'a souvent fait quelques gestes. Et je voulais saluer l'arbitre. Et à ce moment-là, il est passé devant moi en me bousculant légèrement. Et dans les tribunes, la tension monte. Les supporters de l'Antwerp Scand, Wallen, Buiten, les Wallons dehors et les joueurs en Versois dansent. Et puis, c'est l'escalade avec une nouvelle insulte. Et les Wallons sont pédophiles, repris encore par les supporters en Versois. Des images amateurs diffusées sur Internet. On est souvent accueillis avec de tels propos, donc à mesure de les entendre et à force de les entendre, ça peut un petit peu taper sur le système, comme on peut dire. Et donc j'ai voulu faire un geste collectif, posé. Donc je me suis dit, on va tous se mettre assis, on va applaudir tout simplement, ce sera notre manière à nous de protester. Et si les insultes avaient été proférées pendant la rencontre, l'arbitre aurait pu arrêter le match, mais ce n'était pas le cas. Que faire alors? La question des sanctions se pose. Sur la base de la juridiction actuelle, l'Union Belge de football ne peut sanctionner un de ses clubs, puisque ce club n'est, semble-t-il, pas responsable des déviances de ses supporters. Par contre, sur base de la loi football, le ministère de l'Intérieur ne pourrait-il pas sanctionner les provocateurs? Wedstrijdspeld en je moet leven zijn. Het is zo.